vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau Monday's Lipstick et on va tester aujourd'hui deux petites choses qui sont un petit peu beauté coréenne, etc. Donc la première, j'en ai pas trop entendu parler, c'est ça. On va se marrer aujourd'hui, c'est ça. Et la seconde, alors ça par contre on n'arrête pas, hop merci à l'endroit, on n'arrête pas d'en entendre parler sur YouTube en ce moment, c'est vous savez les trucs pour se faire tatouer les lèvres, enfin ça vous tatoue pas vraiment mais vous savez vous mettez une couche, c'est un peu peel off, vous enlevez et vos lèvres sont teintées. Je sais pas si je vais vous faire les deux, en fait moi je les ai trouvés sur Testé Korea quand j'ai fait ma dernière commande. J'ai vu ça passer, je me suis dit oh, bah, ça sera sympa, on le testera. C'est pas la même marque dont on entend parler partout sur YouTube, mais enfin c'est pas grave, on s'en fout, c'est la même chose quoi, enfin le même genre de produit en tous les cas. Donc j'en ai pris deux, un qui s'appelle Orchid, si je me trompe pas, oui c'est écrit en coréen, je sais plus. Je vois, oui, Glam Orchid et Sexy Red. Donc on va essayer le rouge, c'est sûr, sur les lèvres. Et peut-être que l'autre je le ferai que sur ma main. Sachant que je les ai utilisés tous les deux une ou deux fois. Mais je me souviens plus exactement combien de temps ça va prendre et tout. Donc on verra, si c'est trop long je le ferai que sur la main. On va commencer par le soin, hein, c'est mieux. Alors c'est un lip gel patch. Celui-là il vient de chez Etude House. Alors ça par contre je l'ai trouvé je crois sur eBay l'année dernière. J'avais commandé deux Etude House, deux Tony Moly pour voir la différence. Je les avais déjà essayés sans vous et c'est exactement la même chose. Donc là j'ai pris le Etude House, c'est à la cerise et donc en fait donc cette petite chose vous le mettez sur vos lèvres et c'est censé vous hydrater les lèvres et un petit peu les plumper et tout. Donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que ça serait bien de faire les deux trucs en même temps, en plus comme c'est un peu dans la même veine de trucs un peu fun et tout pour les lèvres. Donc vous ouvrez ça comme ça, à la hop. Vous avez le petit patch, donc c'est un espèce de patch en silicone. Et il se met, alors je sais plus dans quel sens. Je sais plus s'il y a un sens pour le mettre, je crois pas. Donc c'est un petit truc comme ça là. Vous savez comme les trucs qu'on collait aux fenêtres quand on était petit. Et donc si je me souviens bien, alors parce qu'il y a un endroit où c'est un peu creusé, ça doit être comme ça. Non, c'est de l'autre côté. C'est comme ça. Donc il y a un produit dessus. Voilà. Je vais l'enlever deux secondes pour vous dire. C'est vrai, je ne peux plus parler pendant 10 minutes. Donc ça se colle assez bien, ça bouge pas trop. Mais voilà, après vous pouvez pas parler pendant 10 minutes. Donc il faut que j'attende 10 minutes et puis après je reviendrai vous voir. Voilà. Je l'ai laissé à peu près 20 minutes. La sensation est hyper agréable. Vraiment. C'est mais super agréable. Ça démange pas, ça picote pas. Non, franchement, c'est agréable. Par contre, ouais, elles sont hyper... Enfin, je trouve qu'elles sont quand même assez douces. Par contre, il dit sur la notice qu'il doit rester un petit peu de produit et qu'on doit masser. Sur le mien, il n'y en avait pas. Franchement, elles ont tout bu. Alors, soit elles étaient super sèches, mais elles n'ont pas l'air. Soit il n'y a pas tant de produit que ça. Mais si c'est vrai, je trouve qu'elle est un petit peu plumpée, ma lèvre du haut, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça doit pas se voir des masses. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. En fait, j'ai dit à ma mère de venir tester ça avec moi. Elle sait absolument pas ce que je vais lui faire essayer. Elle croit que je vais la maquiller ou un truc comme ça, je pense. Elle sait pas ce que je vais lui faire essayer. Je vais lui faire essayer ça. On va voir, mais je pense qu'on peut se marrer parce que... Je pense qu'elle... Enfin, ça, elle va pas trop kiffer. Donc je lui mettrai le rose et puis on verra bien. Et puis comme ça, au moins, on va voir sur nos deux bouches ce qu'on ressent. Et puis au moins, je pourrais vous montrer les deux. Ce sera mieux que sur la main. C'est quand même plus sympa, quoi. Donc, je suis allée chercher ma maman et on va pouvoir tester les petites choses. Je vais le faire en premier pour lui montrer avec le rouge et puis elle va essayer le rose. Je le sens pas du tout. Il faut en fait l'appliquer en une couche assez épaisse, le laisser poser à peu près 10 minutes et après on peel off comme un masque peel off. Donc, je vais le faire en premier. Tu regardes. Et après, tu essaieras de faire pareil, et puis au pire, je t'aiderai. C'est dégueulasse. On dirait tellement ma grand-mère quand elle fait ça. Tu m'as dit de regarder pour faire pareil, je sais pas. Regarde pour faire pareil.
Ouais. Bon, petit chouïa. Je vais essayer. Et surtout que tu aurais bien partout parce que sinon ça te fait des trous. Ouais, c'est sympa, bon. Mais sinon, à appliquer, on va, je vais vous expliquer comment qu'elle le fait. Hop, ouais. Tu le vois là? Non. Il faut que je prenne le truc avec moi. Mais non, parce que ça va être devant l'appareil photo. Ah non, je vais mettre de l'autre côté. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est devant. On voit pas. Enfin, ça va être 3 clics, je vais parler comme ça. Je vais l'aider au cas où. Appliquer, c'est pas hyper simple parce que pour l'avoir déjà fait, si vous voulez, la première fois, j'y suis allée comme ça. Puis pour l'avoir déjà fait, je sais que si on l'applique mal, ça fait des trous. Sinon, la matière est assez fluide. Ça s'applique plutôt pas mal, en tous les cas, pour le rouge. On verra ce qu'elle nous dit du rose. En plus, t'es en train de niquer la balance des blancs. On est complètement orange parce que t'as mis le miroir juste blanc bien devant. En fait, ça sèche hein, comme un masque peel-off qu'on met sur le visage. Alors quand je sens qu'il rentre dans la bouche, ça n'a pas un goût génial. C'est un peu acide, mais bon, voilà. Après, la couleur est sympa, une fois qu'on l'enlève, vous allez voir, hein, c'est très galère et ça colle, donc il faut éviter de fermer la bouche, c'est aussi pour ça que je parle comme ça. Alors, donc voilà, est-ce que tu as besoin d'aide? Non. J'enlève partout là. Rien. Après, non, Laurent, l'écrivain. Après, limite comme ça, c'est même pas trop moche, hein, puisque ça fait un effet un peu vinyle. Par contre, j'ai pas fait mon contour, enfin mon arc de cupidon très bien, je le sais, parce que... Elle a un peu peur de me louper. Elle a l'air de cupidon là, dans les dents. Mais toi, t'en as presque pas d'arc de cupidon. Quelle dame. Oh. Ouais, donne. Ok. Fais un. Un. Fais un. Ouais, ouvre la bouche. Ça crame l'intérieur, hein. Mais un petit peu, sinon c'est horrible. Allez, je mets dedans. C'est bon. Donc, on va attendre... Ça pique. Non, ça pique pas, c'est pas possible. On va attendre... On va attendre 10 minutes à peu près pour maman. Ouais. Parce qu'elle vient de finir de le mettre. Moi, ça commence déjà à sécher, je le sens. Ah, j'ai fait ça, ça a collé. Où? T'as fait quoi? Mais ne fais pas ça. Le temps que ça sèche bien et que ça se peel off bien. Mais sourire. Non, et le mieux c'est quand même que tu restes un peu comme ça. Ouais. Voilà. Tu vas rester comme ça 10 minutes devant la caméra. Ah non, je suis mal. Non, on va aller voilà, vaquer un petit peu à nos occupations. Après on reviendra piloffer le truc devant vous et vous dire ce qu'on en pense. Voilà, c'est le monde des lipsticks entrecoupés. Voilà. Alors on peut pas parler, donc on va l'enlever, hein, parce que sinon ça peut être possible. Alors, pour l'enlever, je vais être comme un fil. Ah, d'accord. D'accord, ouais. Ouais. Ah, c'est marrant. Ah, c'est drôle. Ah, ouais. Ah non, c'est sympa. Ah, ça marche, hein. C'est dégueulasse au bout, c'est pas mal. Oh là là, les lèvres roses. Ah, c'est miraculeux. Pour moi, la finalité du truc marche, puisque effectivement ça fait le job que c'est censé faire, ça vous teinte les lèvres. Mais il faut faire attention à bien en mettre partout pareil, puisque j'ai quand même réussi, même concentrant, à avoir des trous, donc c'est pas génial. Faites gaffe à l'intérieur des lèvres, puisque t'as l'air très conne après. Et voilà, sinon après c'est teinté, vous avez aucune matière, donc c'est agréable. Après vous n'avez plus trop à vous en soucier parce que comme c'est la lèvre qui est teintée, même si vous mangez ou quoi. Donc ensuite, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense que là il y a un petit... Ouais, donc ça a fait un petit trou, un tout petit trou. C'est marrant à enlever, c'est épouvantable à garder. Ah ouais, par contre, épouvantable, comme chez le dentiste. Qu'est-ce que d'autre? Et finalement, un coton gel lèvres, ça va plus vite. Oui mais ça, si tu l'enlèves pas là, parce que là tu vas l'enlever, mais si tu l'enlèves pas après... T'es toute la journée, t'as pas de matière sur les lèvres, donc t'as pas de risque que ça bave et ça reste. Ouais, mais il y a le plaisir de mettre le rouge à lèvres sur les lèvres. Ah oui, non, ça c'est vrai. Ouais, c'est pas ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas à moi qu'on va dire le contraire. Là, on passe 10 minutes, mais après on fait pas ça, tu vois. C'est pas souple. Ah si, après c'est le souple puisque c'est. Non, mais on a envie de remettre du gel ou du gloss dessus. Ah oui, t'as envie de remettre quelque chose, toi. Ouais, c'est sec, moi je trouve ça très sec. Ah, c'est tes lèvres à toi, y a plus de produits là. Oui, donc ça a teinté l'intérieur de mes lèvres.
Non, ça a planté la surface, mais je veux dire, c'est tes lèvres, il n'y a plus de produit, c'est pas plus sec que tes lèvres d'habitude. Enfin, si j'en ai marre du rose à 10h du soir et que je vais mettre un rouge avec une autre robe. Tu le mets par-dessus. Ouais. Enfin, je trouve pas. Il y a des produits qui font plus rêver que ça. Quoi. Non, mais moi aussi. C'est drôle à enlever parce que ça fait comme les masques que j'avais quand avant que tu sois petite, avant que tu sois née. Avant que tu sois petite. Avant que tu sois née. T'as les masques, tu sais, qu'on étale. Oui, les masques peel-off. Les masques peel-off, j'adore ça. Mais je trouve qu'après, l'intérêt, c'est que le soir, si tu mets une robe, tu veux mettre un rouge à lèvres rouge, bah, tu mélanges avec ce rose et tout. Voilà. Et que c'est rouge. Un peu angoissant parce que je me dis, est-ce que mes lèvres vont devenir d'une couleur normale? Tu peux essayer dès maintenant là? Non. C'est plus démaquillant. Ouais, mais c'est pas vrai, ça marchera pas. Il faut faire au moins 3 coups de démaquillant. Mais non, je l'ai fait moi. Ah, ouais. Tiens, regarde. Prends le démaquillant bleu qui est là. Que la moitié de l'air, comme ça tu vas voir que ça part. Bah non. Bah si. Bah je suis désolée, non, ça regarde. Couleur des deux côtés. Bah oui, je suis pas dingue. Regarde, ça part. Bah toi oui, mais moi mais non. Mais si, c'est parce que j'ai frotté. Donc ça part très bien au démaquillant. Le point démaquillant waterproof qui en plus c'est pas génial. Ça les part très bien. Je suis ridicule. Et moi donc. C'est intéressant, mais j'arrive pas à en acheter. Non, bah moi je n'en rachèterai pas d'autres non plus. Si cher. Vous voulez essayer, je sais pas, c'est 8 euros. Ouais, quand même. Donc, à peu près, franchement, je vous remettrai le prix exact, on va avoir l'info. Il y a 5-6 couleurs. Et moi, je vous dis, je connais que cette marque-là, je connais pas l'autre marque là-dedans. Ouais, ça tâche quand même. Moi, je te le dis. J'ai pas les lèvres de cette couleur là d'habitude. En fait, c'était beaucoup plus pâle tout à l'heure. Regarde, c'est pas parti sur moi. Ça a tenu, c'est rentré. Non, maman. C'est rentré dans la muqueuse. Je vous explique, elle est hypochondriaque. Mais non, je suis hypochondriaque, mais elle s'est rentrée dans la muqueuse. Hypochondriaque. Laisse-les respirer 2 secondes, tu vas voir, tu vas l'enlever. Tiens. Bon, donc ça part bien. C'est marrant à essayer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as redonné ton chevet-ci. Il y en a plus du tout du monde. Non, ça y est là. Là, pendant 8 jours, elle va me dire qu'il lui en reste alors qu'elle aura plus rien. Il y a des personnes dont la muqueuse est plus fragile. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que ça t'a quand même plu d'essayer ça? Oui, parce que je l'ai fait avec toi, c'est ça. D'accord, mais c'était drôle au moins. Oui, c'était drôle. Tu viendras réessayer d'autres choses. Bah oui, évidemment, je vais tout essayer. Au revoir. Donc voilà pour ce petit test, crash test en tous les cas de ma maman. Donc oui, vous avez vu, ça lui a plu, mais ça lui a pas plu. C'est vrai que quand les 10 minutes où tu dois le garder sur les lèvres, c'est un peu un enfer parce que tu peux pas fermer la bouche. Si tu fermes la bouche, elle se colle comme ça et dès que tu essayes de réouvrir, tout s'en va. Tu t'es obligé de rester comme ça te fait un peu baver et tout, donc franchement le petit moment où tu les gardes c'est un peu un enfer. Après je pense que 10 minutes c'est un peu trop, on aurait pu attendre que 5 minutes, mais je voulais être sûre que ça marche et que ça se voit, sinon ça servait à rien. Donc voilà, alors après moi je m'en resservirai, franchement je m'en servirai pour si un jour je veux mettre un truc sympa pour la journée et que je sois sûre que ça tienne, parce qu'au moins on est sûr d'avoir quelque chose sur les lèvres. Donc le petit masque coréen pour la bouche, écoutez moi j'aime bien, je trouve que ça me les a pas mal hydratés parce que ça, les deux dernières fois où je l'ai fait, ça m'avait quand même asséché, j'avais senti. Et là en mettant ça avant, je trouve qu'elles sont quand même un petit peu mieux, surtout que là j'ai les maquillées juste derrière et tout. Je trouve qu'elles sont mieux que la dernière fois, après le côté un peu plumpant. Mais c'est sympa à essayer et c'est sympa à faire aussi, voilà, vous pouvez pas parler ni rien, mais voilà. Donc c'est un peu les produits galères pendant l'application, mais qui sont sympas et qui, en fait, au bout du compte, marchent quand même. Donc dites-moi si vous avez essayé ces petites choses-là, je sais qu'on a énormément entendu parler sur YouTube dernièrement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie d'essayer, parce que sinon, je sais même pas si j'aurais su ce que c'était en les voyant comme ça, j'aurais cru que c'était des gloss, j'aurais pas essayé. Donc voilà, dites-moi si vous avez essayé ça et si vous connaissiez le petit masque qui est vraiment sympa. Et on se retrouve mercredi pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'a demandé, donc j'ai été... je vous l'ai faite, je me suis exécutée. Et donc d'ici là, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye.